Allô? Je peux pas trop vous parler là maintenant. C'était qui? C'était une femme qui... Ah, oh, une femme. Tu la connais d'où, mon coquin? C'est une femme que j'ai rencontrée, en fait, que... Excuse-moi, mais j'ai l'impression que mes questions t'embarrassent. Pas du tout. J'ai résisté. Je suis pressée, mais... C'est son initiative à elle. Tenez. C'est quand même pas de ma faute si je me fais violer. J'ai bien réfléchi. Pour que notre couple aujourd'hui résiste, il faut être... moderne. Mais je vais quand même pas aller coucher avec cette fille pour te faire plaisir. Écoute, tu vois bien que je fais des efforts. Tu pourras en faire un peu de ton côté, quand même. Oh, je suis tellement contente que vous soyez là. Papa, je suis venue avec Jean-Jacques. Ma fille m'a beaucoup parlé de vous. Bonsoir, Monsieur le Président. Ils vont bientôt partir, j'ai prévenu que j'étais fatiguée. Vous êtes fatiguée? Ah non, pas du tout. C'est pour être avec vous plus rapidement. Vous venez, Jean-Jacques? Je m'excuse, hein, je crois que j'ai un petit problème à la braguette. Annette va jeter un petit coup d'œil. Vous voulez bien lui montrer votre pantalon? Ça va vous détendre. Pour que notre couple aujourd'hui résiste, il faut être moderne. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu ailles coucher avec cette femme. Mais qu'est-ce que tu dis? Ben oui. Mieux vaut devancer les choses que d'être dépassé. Et puis pour moi, c'est la meilleure façon d'être trompée, sans être vraiment trompée, puisque je le sais à l'avance. Mais je n'en ai pas envie. Si, tu en as envie. Tu ne peux pas me l'avouer. Je comprends, c'est difficile à dire. Je t'en veux pas. Mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? Oui, d'inscrire notre couple dans une force de progrès. Mais je vais quand même pas aller coucher avec cette fille pour te faire plaisir. Écoute, tu vois bien que je fais des efforts. Tu pourras en faire un peu de ton côté quand même. Je veux bien, mais j'irai pas. Bon, faut que j'y aille. À demain, mon amour. Je n'irai pas, hein. Quelle idiote j'étais d'organiser cette soirée. J'aurais mieux fait de vous dire la vérité, j'avais tellement envie de me retrouver seule avec vous. À un moment donné, j'ai eu peur que vous partiez, j'avais l'impression que vous vous embêtiez. Ah non, non, non. Je suis tellement contente que vous soyez restée. Ça va? Oui. Vous voulez bien masser le crâne? Si vous voulez. Vous avez des mains extraordinaires.